Come on, me nyama for kulama. Me arobo vivi lama. Babo ma de tolama. Tolama. So, so, get away. Master gazelle goma. Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ça fait longtemps. Mais grave. Ça fait longtemps. Grave, vous avez manqué, non? Ah oui, c'est sûr. Et vous aussi, vous nous avez manqué. Mais franchement. Mais bon. On des a fois, pris du temps pour voilà, nous. Il faut prendre du temps pour c'est soi ça. Et tout. C'est reposé. Voilà. Donc aujourd'hui, on revient. Ouais. On revient plus fort que jamais. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ouais. Et nous tenons à dire merci à ceux qui viennent de nous découvrir pour la première fois. Et n'hésitez surtout pas, pardon, à vous abonner. Pour et faire surtout, partie de la team. Surtout, activer la cloche de notification. Partager. Ici, le mot d'ordre, c'est partager au maximum. Yes. Et si vous n'avez pas vu la dernière vidéo, vous avez le i juste en là. Je ne sais pas où, oui, là. Là. Et vous allez voir notre dernière vidéo. Voilà. Et si vous voulez voir toutes les vidéos, bah, allez dans les vidéos Aïcha Yaman et puis vous serez servi. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, madame? Je vous laisse. Bonsoir, Melody. Il va me faire un maquillage nude pour ne pas lui compliquer la tâche. Il m'a dit qu'il sait tout faire, donc qu'il pourra réussir. Moi, je m'adapte à toutes les situations. Je m'adapte à tout. Donc, aujourd'hui, je vais être le Picasso de madame. Je vais me permettre de faire un chef-d'œuvre sur ce beau. Même notre fils a peur pour moi, mais bon, c'est pas grave. Arrête de. Il faut être optimiste. Donc aujourd'hui. Oui, j'ai confiance en toi. Aujourd'hui, donc, comme vous le constatez, je vais me prêter à ce jeu. Je vais maquiller madame et lui prouver qu'on peut faire 10 minutes et se maquiller. On peut faire 2 minutes et se maquiller au lieu de faire 15, 100 ans pour se maquiller. Enfin bref. J'ai laissé mes émotions prendre le dessus. Donc, j'ai tout l'arsenal devant moi. Donc, sans plus tarder, let's go! Alors, donc, on a pris un exemple, c'est-à-dire une photo d'un top modèle qui a été maquillé. Et je vais me charger de le faire. Donc, vous allez le voir quelque part sur l'écran, ouais. La photo. Et après, à la fin, vous allez voir le truc que je vais faire. Suivez-moi, je suis un professionnel, ok? Déjà, je vais commencer, ça c'est... C'est quoi ça? C'est... Une brosse, éventail. Bon, en tout cas, ça ressemble... Laisse, je suis le professionnel, j'avais oublié le coup. Donc ça c'est l'éventail. Et il y a aussi l'éventail viticuit, le petit éventail. Et il y a les éventails musclés. Voilà, les deux éventails musclés et enfin bref, il y a beaucoup de choses là. Donc ce qu'on va faire, c'est que moi je vais commencer. Je lis là-dessus, correcteur, anti-cerne. Moi je me lance, hein. Et on va essayer de voir, ça c'est le masque, non pas mascara. Ça c'est le fond de teint. Mascara, fond de teint. Je suis mascara. Ok, ça c'est le fond de teint. Oui. C'est ça, non? Ouais. Ok, donc on va d'abord. C'est quoi? L'Oréal? Quoi, L'Oréal? C'est ça, c'est la marque. Base de teint. Matifiante, lissante. Attends, déjà le visage lisse, moi je sais pas. C'est ça, pour préparer la peau. Pour... Bah, bien évidemment, c'est pour préparer la peau. C'est ça, non? Ah, pour le maquillage. Pourquoi il fait ça? Ok, fait donc genre, sans plus tarder, on va le faire, madame. Calmez-vous. On va le faire. Voilà, et on va, comme ils disent, c'est pour ça coule, ça coule, lisser ou lissage, je sais pas, ça coule où là en bas là. Ne vous en faites pas, madame. Je suis un professionnel, je sais, je connais mon travail. J'ai pas été diplômé, je suis autodidacte. Ok, mais je vais mettre sur vos dents là, mon dit. C'est quoi, qu'est-ce qu'il y a? Et là, le visage est parfait pour accueillir tous les produits chimiques qui vous servent de maquillage, ok? Voilà, on va juste bien confiner à ce niveau. Je peux? Pourquoi? Je sais le faire. C'est bon. Ok. So, là, on va mettre le fond de teint. C'est-à-dire, le fond de teint, vous savez ce que ça veut dire? Un fond qui est teint. Le teint de la personne. Donc, ce qu'on va faire, on va chercher le fond de teint. Le teint qui va avec le teint de la personne. Donc, sans plus tarder, c'est un teint noir couleur ébène. Donc, on va chercher des cils de fond de teint.
Ah, il faut d'abord, je vois dans toutes les vidéos, tout le monde fait ça, je le fais aussi. Je sais pas, ça sert à quoi le gros. Bon, on y va. Ça, c'est le poseur. C'est le poseur. En fait, il faut mouiller un peu. Le qui? Il faut mouiller. Il faut toujours mouiller. C'est déjà mouillé? Ah bon? Oui, je crois que tu t'es maquillé il y a pas longtemps. Là. Allez, hop. On va aller. Mais déjà, c'est déjà parfait comme ça. Quel pro je fais. Moi, j'attends juste de voir la fin. T'inquiète, t'inquiète. Tu vas être surpris que ton homme, c'est quelqu'un qui s'adapte à toutes les situations. De toute façon, ça, je savais. Hein. Ok, c'est bon. Et les oreilles. Alors. On maquille aussi les oreilles. Si tu dis le visage ne doit pas être différent du coup, les oreilles, ça doit être différent. T'inquiète, les oreilles, je verrai ça à la fin. Ah, ok. Je pense qu'il me faut encore le fond de teint. Hein. Pour? Pour c'est un maquillage nude. Bon. Nude. Et je laisse. Comment un maquillage nude? Je comprends pas le nude. C'est pas bien de faire des nudes. C'est pas bien. Oh my god, tu me l'as là. Mais c'est vrai, c'est pas bien les nudes là. Bien sûr, tout le monde sait ça. Et je pense que. Ouh. Je pense qu'il faut passer le pinceau parce que vous passez beaucoup de pinceau. On va passer le pinceau. Ok, passe le pinceau. Bah, c'est ça, le pinceau. Je ne parle pas. Je ne parle pas. Pinceau éventail, c'est ça, non? Éventail, voilà. Bah, voilà. Donc, on va. Je sais pas ce que j'ai pris, mais je pense que c'est blanc. Je pense que ça va être une donnée. Et ça va donner. Oh. Ah, on l'a mis qui dit d'abord. Bon, viens. Donc là, c'est bon. Et moi, j'aimerais vraiment attaquer les yeux. Au niveau des yeux, vous avez les paupières, vous avez les cils, les faux cils. Les faux cils. Les paupières, les sourcils, etc. Voilà. On va essayer de les. Comment tu sais que c'est ça? J'ai vu, je me suis dit, bah ça, tu peux pas payer les cheveux avec. Tu peux pas payer aussi le nez avec. C'est forcément les cils durcis et tout. Donc, on va essayer de les recadrer. De les recadrer. Parce que là, ils sont un peu dispersés, éparpillés là. On a le crayon. Je me suis trompé, c'est pas le crayon. Ça, c'est le crayon pour dessiner, tu vois. Ah oui, attends. Oh! Je t'aide un peu. Je sais pas, je vais tout ouvrir. Lis dessus si tu le. Ça, c'est gel ice brow. Ah oui, ice, c'est ça. Donc, c'est. On va utiliser ça. Je sais pas pourquoi j'ai tout ouvert là. Comme ça. Et on va tracer l'aigle. En fait, c'est parce qu'il me va faire ça. Donc, il maîtrise. Il connaît un tout petit peu le produit. Donc, moi, je vais commencer à faire le dessin comme ça. Mais franchement, je vous dis, s'il arrive à bien me dessiner les sourcils, à partir de maintenant, là, c'est lui qui va le faire chaque fois qu'on va sortir. Tiens. Parfait, qu'est-ce que tu fais là? Je suis en train de faire les sourcils, tranquille. Est-ce que tu as bien tracé d'abord? Mais oui! Bah, bien sûr, c'est bien, c'est équilibré là. Je crois qu'il y a un peu trop. Il y a un peu trop, tu rajoutes encore. Non, mais il y a des parties qui sont pas bien faites. Et tu dis il y a un peu trop pour brosser pour que ça soit bien. Tu as une brosse ici? Après, oh non, 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 la fin que tu as fait avec Bibi là. Normalement, la fin doit être fuite l'eau. Bibi, fuite l'eau. Je suis en train de faire comme un professionnel, ok? Tu comprends pour brosser, c'est ça non? Oui, je pense que c'est ça qui est derrière. Donc on va. Oh! Quand je brosse, c'est derrière. C'est encore grave quand je brosse. Mais ça passe, c'est bon. Ça passe.
Vous sentez qu'il n'est pas appliqué au niveau des sourcils là ou pas? Je tire le temps. J'ai pas encore fini là. Calme-toi là. Y'a des moyens d'essuyer ça pour le commencer? Oh, maintenant tu brosses comme ça. Oh, je fais un mauvais. Je sais pas. Attends, calme-toi. Oh. Et en fait, il me manque. Il y a un petit truc. Il y a un truc. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer aux autres. Et après, je vais venir corriger, ok? Je crois que moi, je suis un petit, moi. Et ça, tu traces bien. Tu rattrapes le faux pas que tu as lui à faire. Tu rattrapes bien. Mais calmez-vous, madame. Attendez. Mais vous imaginez? Moi, le professionnel, c'est comme ça. Attends. Le professionnel qui rate. Et qui me fait ça? Je ne vois pas, mais qui me fait ça? Dans la vie, il ne faut pas se limiter aux échecs. Je vais sortir des trucs. Excusez-moi, madame. Je vais. Ça rattrape de ouf. Merci qui? Je suis fier de moi. C'est toi qui as vu. Je suis fier de moi. Madame, laissez-moi un peu professionnel. Je suis sûr que c'est moi, je vais te tracer les sourcils. Ah, j'attends maintenant, quoi. Maintenant, quand on a fini avec ça, on va passer sur l'anti-cerne. L'anti-cerne, pour cacher un peu ces cernes-là. Est-ce que vous laisseriez vos mecs vous maquiller ou pas? Bien sûr. Vous avez des mecs comme moi, ça passe crème, hein. Le truc ici là, que vous mettez, je sais pas, c'est comment vous appelez ça, j'ai un trou de mémoire. Je ne te dis point, je vais encore te dire, tu avais dit. Il marqueur des yeux. Le marqueur des yeux. Le marqueur des yeux. C'est tout à fait ça. Et on va utiliser le pinceau spécifique, comme le pinceau de cœur, car si pas. Vous voyez le truc là, c'est ça? Pardon, ça c'est pas rageux. Mais excusez-moi madame, je vais utiliser celui-là et utiliser le violet. Donc, ben, on peut regarder. Non, pas violet. Blanc. Le blanc? Oui. Où j'ai vu blanc ici? Là, c'est quoi? Le coin de l'œil, c'est quoi? Mais ça, c'est pas ça. Ça, c'est quoi? Le coin de l'œil, c'est enlumineur. C'est ça. Ah, c'est enlumineur. Oui. Oh, mais les boîtes se ressemblent, ça, donc du coup, je me trompe. Les boîtes se ressemblent, donc du coup, je me trompe. Mais là, c'est bien. Mais c'est pas avec ça qu'on fait ça. Ça avec quoi? Faut voir. Mais je vois. Et je vois que c'est celui-là. Mais c'est toi le professionnel, tu as dit non. Et tu me dis, c'est avec quoi? C'est avec ça. Ah bon? Oui. Ok. Mais tu sais quand même que je t'avais encore maquillé les yeux. Mais tu fais déjà ça. On va le faire après. Le professionnel, il a dit. Je suis sûre qu'avec ça, tu arrives à faire. Oh, c'est bien. Hé, mamoulo. Bon, je me suis surpris de moi, franchement. Mais faut dire que je t'aide aussi. Ton coach. Quelle beauté. Dans la, pas toi. Mascara. Allez, mais où se trouve le truc pour mettre dedans? Là, je vois les publicités. Voilà, c'est le mascara. Ah, c'est le mascara qui est ici. Parfait, tu n'as pas encore maquillé les yeux, tu veux mettre mais mascara. Madame, mais madame, vous me mettez la pression. Mais que... Ah, là, Seigneur Jésus. Ça, c'est Natural Bronzer. Ça, on va mettre sur les paupières. Ah bon? Oui, non. Oh, tu m'embrouilles là. Bon. Le pro est embrouillé par la matrice. Bon. Ok, ça c'est fard à joues. Hein. C'est ce que je vais mettre. Je vais mettre les fards au niveau des joues. Y a pas... Tu es sûr? Oui. Je t'ai bien agrandi ça. Hein. Tu es sûr? Tu as dit que c'est mal aux yeux? Elle se fout de moi là. C'est moi là. Alors, bon, on essaie de ménager un peu pour trouver la couleur qu'il faut. On y va. Mais c'est quoi? C'est quand? Arrête de dire. Oh, elle me déconcentre. Il me dit d'arrêter de rire. Et maintenant même je ris bien.
Parfait, c'est bon, c'est bon. Mais on peut... Attends, il faut essayer de unifier. Oh, ne touche plus, c'est bon. Ou bien prends une autre brosse. Donc, après ça, il faut passer au niveau des yeux avant de faire le mascara. Donc, pour les yeux, ce qu'on va faire là, c'est ça et c'est ça. Rose. Rose. Oh, parfait. Qu'est-ce que c'est que ça là? Tu vas prendre pour maquiller là? Ça, pour vous maquiller là. Mais c'est ça, non? Regardez ce qu'il veut prendre pour maquiller ici. Bon, bon. Non, ça. C'est ça alors, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais attends! Donc, c'est ça alors. On va utiliser toutes les brosses ici pour maquiller les yeux. Toi, même regarde les petits carrés. Tu penses que c'est ça qui peut aller? C'est ça qui peut aller alors? C'est toi le pro, tu me poses la question. Parfait. Elle veut me mentir, mais regarde ce qui s'est passé. Menteuse. Oh non. Tout ça, c'est pour me dire. Elle voit que je fais bien en fait. C'est toujours qu'on a mis dans les examens là. Vous voyez, quand vous prenez un examen, on essaie de vous mettre des pièges et tout. Et il faut savoir les déjouer, les pièges. Je suis un pro. Les yeux. Mais c'est ça, c'est ça, c'est ce qui a été fait là. Regarde. Et ça là. Ça là, tu as fait ça aussi. Mais c'est vrai. Indulgente des. Voilà. Et il me saoule. J'ai peur. Cette partie-là, c'est moi, j'ai peur. Calmez-vous, c'est ça. C'est ça. Chier. C'est magique, ce truc-là. Ça a augmenté à tous en même temps. Chier. C'est bon. Je vais passer de côté. Ok. Mais le, les petits petits qui sont en bas ici, les filles, on ne fait pas aussi? Oh, on ne fait pas aussi. Tu vas mettre la brosse à mon oeil. Pardon. Pardon. On va essayer de. Voilà. Ça, c'est pas pour ça, mais. Calme. Elle me demande de maquiller. Je fais le truc bien, s'il vous plaît. Attention. Et là, on va passer aux lèvres. What is gloss here? Gloss. Ah, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça. Yves Rocher. Mais ils n'ont pas écrit gloss là-dessus. Mais ça ressemble à ça quand même. Le baume liquide. Oui, c'est ça. Ça, ça brille, là, comment ça tire. Mais vous les femmes, vous avez des secrets. Tiens. Fais ça. Non. Oh, fais ça. Et puis, reste là. Qu'est-ce qui te fait rire? En fait, je sais pas ce qui... Monsieur le pro, je peux t'aider un peu hein? Non, pas besoin. J'ai remarqué la ressemblance. Madame, découvrir
Le travail. Roulement de tambour. Durement accompli. On a dit dans la vie. Dans la vie, la vie, elle est facile. Mais ne pas juger son prochain. À force de travailler, on deviendra fanéna. Alors. Ah ouais. Je vais prendre le miroir pour que tu puisses voir. Mais je vois là, je ne te vois pas. Ah, donc regarde. Ah, ouais, parfait. Je t'ai sous-estimé, hein. Non, je préfère que tu regardes avec un vrai miroir. Un vrai miroir. Okay, je vais t'apporter. Ah, non, un y a vrai un miroir. Si je savais, j'allais lui dire, ouais. Tu es fière de moi? C'est ce que tu avais dit quand tu avais regardé le téléphone. Parfait. Quand je t'ai demandé est-ce que tu as bien estompé le anti-cerne, tu as dit oui, non? Oui. Regarde. C'est quoi ça? Ça ne doit pas apparaître comme ça. Regarde. Mais tu as tout le cerne aussi. C'est ça le problème. On ne peut pas cacher tout. Bah oui, on ne peut pas cacher tout. C'est bon? Donc, c'est ça le travail. Donc, vous pouvez compter sur le professionnalisme de Yaman pour qu'on puisse trouver un bon rendu. Eh mais je l'ai fait en plus, je l'ai fait en moins de 10 minutes. Hein. Et elle passe 100 ans dans les toilettes, je comprends pas, dans la douche à se maquiller. Et je pense que vous l'aimez toutes les meufs, c'est pareil. Donc vous pouvez faire ça très simplement, très facilement, sans trop perdre du temps. Voilà. Donc, n'hésitez surtout pas à mettre un commentaire si ça vous a plu et me mettre mes cœurs parce que vous savez très bien que je fais un travail de professionnel. Voilà. Tu as quelque chose à dire, chérie? Bon, les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Merci de m'avoir soutenue. Merci d'avoir été avec moi. Merci d'avoir été de tout cœur avec moi. Même si je ne ressemble à rien, merci d'avoir été là. Ciao. À la prochaine. Bisous.